En janvier, j'ai enregistré un nouveau disque qui s'appelle Spring Rain, qui est un hommage à Jimmy Giuffre. Donc cet album est aussi produit par Robert Sadin, qui est le producteur de Sting aussi, et de Herbie Hancock et Wayne Shorter. Et c'est lui qui avait produit aussi mon premier disque avec Paul Motion. Et j'avais décidé de retravailler avec lui parce que l'expérience fut fantastique. Jimmy Giuffre, en fait, j'ai découvert sa musique quand j'étais tout petit, parce qu'on jouait... Oh non, salut. Quand je jouais la musique dans un... Enfin, je jouais dans un big band en Suisse, et un des premiers morceaux qu'on avait joué, c'était Four Brothers, un morceau qu'il avait composé pour quatre saxophones dans l'orchestre de Woody Herman. Et c'était, en fait, finalement la seule chose que je connaissais de sa musique. Et il y a quelques années, j'ai découvert son trio avec Steve Swallow et Paul Blay. Et c'est une musique qui m'a complètement transformé, on va dire. Parce que il alliait en même temps le côté improvisé, le côté composé. C'est une sorte de musique contemporaine improvisée et ça convenait vraiment bien à mon approche. Je voulais faire un hommage qui soit... Parce qu'il y a beaucoup d'hommages qui se font pour l'instrumentiste. J'aurais pu avoir un clarinettiste qui joue sur l'album. Mais je voulais faire une sorte d'hommage comme celui que Ross Velvard et Archie Shepp ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait un hommage à Thelonious Monk sans piano. Et alors j'ai décidé de faire un hommage à Jimmy Giuffre sans clarinette. Il était surtout connu pour son jeu de clarinette, qui était fantastique d'ailleurs. J'ai choisi aussi des musiciens avec lesquels j'ai l'habitude de jouer. Comme ça, j'étais certain d'avoir le son que je voulais avoir. Et j'ai combiné des gens avec qui on a tous l'habitude de jouer et avec qui on a joué en live et tout ça. Donc ça devient facile facile. Ça devient plus évident dans ces cas-là parce qu'on peut donner n'importe quelle partition aux musiciens et on peut jouer n'importe quel morceau et on aura ce son avec lequel on a travaillé depuis des années.